Bienvenue à tous dans votre émission Le Pouvoir de l'Espérance et merci de nous accueillir chez vous. Le Pouvoir de l'Espérance est une série qui nous emmènera dans un voyage biblique du 10 au 22 décembre, tous les soirs, en compagnie du pasteur Marcel Alfonso. Avant de vous laisser en sa compagnie, nous démarrons avec une vidéo musicale spécialement sélectionnée pour vous. Écoutons « Mon âme à genoux, les cieux proclament », un cover de Nicole Semulen et interprété par Cory. Que tout en moi veut s'épanouir d'autres fois. Sans comprendre, je baisse les bras et voudrais m'enfuir. Devant l'inconnu, je suis effrayée. Tu veux me rassurer? Qu'importe ma mémoire, j'ai appris dans les regrets et les pleurs comment survivre. Oui, mon âme à genoux, mon âme à genoux. Oui, je cherche, chante-toi. Merci Cory pour cette douce mélodie qui nous rappelle tous les bienfaits qu'il y a de mettre notre âme à genoux aux pieds de Dieu. C'est une belle transition pour laisser la place à Pasteur Alfonso pour le partage du jour. Le 8 juillet 1935, ce jour-là, la vie d'un jeune journaliste de 20 ans va connaître un virage à 180 degrés. Comment peut-on passer en 5 minutes d'une vie de non-croyant à une conversion instantanée? André Frossard, c'est de lui dont il s'agit, se promène à Paris avec un ami. Et cet ami lui dit « Je dois rentrer dans cette chapelle et je reviens dans quelques minutes. » Il n'en a que pour quelques minutes. André Fossard est sur le trottoir et il attend. Et le temps passe. À 17h10, il pousse la porte de la chapelle, balaye l'assemblée des yeux à la recherche
de son ami. À 17h15, il sort et trouve son ami à l'extérieur. Son ami est impressionné. Mais que s'est-il passé? André Fossard doit répondre. Je suis devenu chrétien. Lui, le fils du premier secrétaire du Parti communiste de l'époque. Comment cette conversion a eu lieu? En 5 minutes, cet homme athée, non-croyant, devient chrétien. Quelque temps après, il écrira ce merveilleux livre « Dieu existe, je l'ai rencontré à 17h10 ». C'est une foi qui a poussé de façon instantanée. En 5 minutes, tout était réglé. C'est invraisemblable, me direz-vous. C'est inattendu. Nous serons surpris. Inattendu, cela s'est passé aussi pour Dieu. Dans ce plan qu'il va mettre en place pour pouvoir créer l'être humain. Et dans Genèse chapitre 1, verset 31 à 2, verset 1er, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu va créer des êtres humains exceptionnels. Et voilà ce que nous dit le psaume 8, versets 3 à 5. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Voilà comment l'être humain est sorti des mains de son Créateur. Non seulement un être extraordinaire, mais aussi un être capable de choisir, doté de libre arbitre. C'est ce que nous trouvons dans Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Que veut dire « Dieu créa l'homme à son image » ? Une chrétienne qui a vécu au 19e et 20e siècle écrira ceci dans son livre « Éducation », page 19. « Tout être humain créé à l'image de Dieu possède une puissance semblable à celle du Créateur, le pouvoir personnel de penser et d'agir. » Et cet être humain aura l'occasion d'expérimenter ce choix. Dans Genèse chapitre 2, nous découvrons que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Au verset 9 de ce chapitre 2, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Le Dieu omniscient savait que le choix que l'être humain allait faire aurait des conséquences incalculables et que sa propre réputation serait mise à mal. Et pourtant, Dieu a fait le choix de créer l'être humain. Mais il y avait un plan de sauvetage derrière tout cela. Ce Créateur va manifester une foi inattendue dans 1 Pierre 1, versets 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dieu déjà prend ce risque de mourir à la place de l'être humain, sachant
qu'il allait se détourner de sa parole. Mais Dieu voit encore plus loin, dans Isaïe 53, 10 et 11, « Il a plu à l'Éternel de briser son fils par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. » Dieu voit encore plus loin. Il voit le changement, la conversion, comme pour André Frossard, chez les êtres humains, mais il voit encore plus loin. Il sait qu'un nouveau ciel pourra s'établir. Apocalypse 21, versets 1 et 4 et verset 5. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Nous voyons que celui qui déclare ces choses va insister et authentifier sa déclaration en disant « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit à Jean, le voyant ou le prophète de Patmos, écrit, car ces choses sont certaines et véritables. Il ira plus loin en disant que sur cette terre transformée, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si je résume ces différents textes que nous venons de considérer, Dieu va faire le choix de créer des êtres humains, de peu inférieurs à lui, des êtres humains dotés d'intelligence, dotés de libre arbitre. Dieu va prendre ce risque en plaçant ces êtres créés dans un jardin magnifique, un endroit exempt de péché. Mais dans son omniscience, il sait que quelque chose de terrible va se passer. Mais il a foi, il fait confiance, et il va mettre en place un plan en se disant que l'être humain va adhérer à ce plan. Et en adhérant à ce plan, les choses où sa vie sera transformée, le contact, la relation brisée sera à nouveau possible. Il voit qu'il y aura une postérité. Il voit qu'il y aura une terre nouvelle. Il voit que sur cette terre nouvelle n'entrera rien de souillé. Il voit que sur cette terre nouvelle, il n'y aura plus de douleur, plus de cris, plus de mort. Toutes ces choses disparaîtront. La foi d'André Frossard vous a paru inattendue. En 5 minutes, tout était réglé. Dieu lui va prendre beaucoup plus de temps, certes. Mais il va croire, il va te faire confiance, il va me faire confiance en se disant « Je mets en place ce plan et à un moment donné, monsieur un tel, madame une telle, ce jeune homme, cette jeune fille va adhérer, va accepter ce plan de sauvetage et sa vie sera totalement différente. » Mesdames et messieurs, certes, la vie d'aujourd'hui n'est pas évidente, tout n'est pas facile. Mais nous pouvons croire en un monde meilleur. Nous pouvons croire en un monde meilleur, mais qui entrera dans ce monde meilleur? Vous et moi, dans la mesure où nous acceptons d'être transformés par Dieu. Dieu te fait confiance. Dieu me fait confiance. Et Dieu t'invite, Dieu m'invite à entrer dans ce plan et à voir déjà, par la foi, ce monde qui sera totalement différent, sans cris, sans douleur, sans difficulté aucune, mais où le Créateur va à nouveau rencontrer sa créature. Et là,
la promesse est faite. Et Dieu le dit, ses paroles sont certaines et véritables, marquées dans le marbre. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, toutes ces difficultés d'aujourd'hui, disparaîtront demain. Parce que vous et moi, nous aurons fait le choix de vivre dans le bien. Nous aurons fait le choix de vivre dans l'amour. Que Dieu vous garde et qu'il fasse que vous aussi, vous puissiez entrer dans ce plan. J'aimerais prier avec vous afin que la foi, la confiance que Dieu manifeste ou a manifestée envers plusieurs de ses créatures, que cette même foi, il puisse la manifester aussi à votre égard. Seigneur Dieu, tu nous as révélé au moyen de ta parole que tu as fait le choix de faire confiance aux êtres humains qui t'ont tourné le dos, qui t'ont trahi. Mais le plan que tu as mis en place leur permet de revenir dans une relation intime, une relation d'amour avec toi. Et aujourd'hui, je te prie afin que ce monsieur, cette dame, ce jeune homme, cette jeune fille, cet enfant qui s'est trouvé au contact de ta parole puisse entrer maintenant même dans ce plan, accepter de te faire confiance et croire que ce que tu as mis en place va transformer sa vie aujourd'hui et va l'emmener à vivre quelque chose d'extraordinaire, non pour un jour, mais pour l'éternité, quelque chose d'extraordinaire dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre que tu es en train de préparer. Écoute la prière de ton serviteur et que nos vies, comme pour cet homme, que nos vies puissent changer radicalement et que tu sois heureux de nous voir dans cette nouvelle relation d'amour avec toi. Nous prions ainsi dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, Pasteur Alfonso, pour ces mots inspirants. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce premier épisode. N'oubliez pas, Dieu a tout prévu dès la création. On se dit à demain pour une nouvelle escale de notre voyage biblique.